Il est 1h18, alors c'est l'heure idéale hein, évidemment pour faire la partie 5 de Tales of Berseria. Nous nous retrouvons tout de suite sur le jeu. Voilà, et là vous voyez, j'ai mis ma petite tête en bas à droite hein, pour pas cacher et puis pour profiter au maximum du jeu tout en ayant mes réactions évidemment parce que c'est un petit peu le but du jeu et du stream. Voilà. Bon, j'espère que cette nouvelle configuration vous plaira. Moi personnellement, pardon, là qu'on voit pas mon micro. Moi personnellement, je l'adore déjà. Je l'adore déjà. Donc, on va se lancer sur le jeu. Hein. Allez, hop. Je suis obligé de faire ça pour pouvoir avoir le contrôle à nouveau de la manette. Hein. Si vous voulez, je passe de la souris à la manette. C'est une petite astuce. Et voilà, nous voici à nouveau dans le jeu. Alors, qu'est-ce qu'on devait faire? On devait chercher Mandy, en haut à droite, chercher Mandy, l'érudit introuvable sur la route du lac de Galle. Alors, le lac de Galle, c'est bien gentil, mais bon, je pense qu'il faut qu'on se barre déjà. Alors, attendez, avant, j'ai vu qu'il y avait un magasin où nous n'étions pas allés. Voilà, enfin là je viens d'y rentrer, mais on y rentre à nouveau. Et il y a quelqu'un qui doit nous parler ici. Voilà, c'est ça. Il y a un truc à examiner. Voilà, je voulais vous le montrer en fait. C'est ce que nous vivons actuellement en fait. Hein. Flashback. それにしても、兄さんの技ってすごく品があるよね。これは俺の師匠クローディン先生が作った剣技だよ。 私もあんな綺麗な技を使ってみたいな。同じ型を教えたんだがな。なぜかお前は断りと違う蹴りや技が出る。体が勝手に動いちゃって。まったくお前は。だが、ベルベットはちょっと先生に似ているよ。先生もなかなか変わった人だった。いつも風変わりなマントを着ていてな。 Oui, bah, allez lui dire de l'enlever, hein, c'est tout. Oh, et quel poète! Quel poète ce Artorius! Hein, vous trouvez pas? Ah, il est mort! Petit à petit, avec les flashbacks, on va en apprendre un petit peu plus. ベルベット、どうかした？うん、なんでもないわ。クローディンって王様は随分強いやつだったんだな。それだけじゃないよ。歴史上で一番民を信じ、民から愛された王様って書いてある。ミッドガンド王国は。 そのクローディン王の一族、アスガード王家の末裔を名乗っている。アルトリウスに同志などという大仰な称号を与えたのは、暗黒時代を終わらせた英雄王の栄光を再現しようという意図の表れかもしれんな。子供騙しね。称号なんかで世界を変えられるなら苦労しないわ。そうとも言い切れん。重要なのは、 民衆が同志という称号に希望を見出し支持している事実だ。それは同志の名のもとに世界の意思を操作できるということだからな。全部承知で称号を受けたなら、アルトリウスの覚悟も半端じゃないな。あいつの覚悟なんてとっくに分かってる。あれだけのことをしたんだから。 Toujours ce petit rappel de la vengeance. Hein. Ah, le bateau est revenu, hein, vous voyez, en bas à droite, là. Notre expédition.
Ah, regardez-moi ça. Victoire, défaite, défaite. Oh bah alors. On a gagné que 7 tons. Ah, mais on a découvert un trésor. Alors, pendentif rouge. Un pendentif trouvé au cœur d'une violente tempête sur la mer des Lemons. On raconte qu'il lui arrive parfois d'émettre un son ressemblant aux hurlements d'une bête. Nouvelle compétence apprise. Regensu, initiation. Bah oui, on va toujours... Non, quitter le rapport. De toute façon, on peut choisir que cette zone. Hein. Attendez. Voulez-vous envoyer le bateau en mission d'exploration? Ah oui, on peut faire... On peut choisir des matériaux spéciaux. Débloquer zone. Info zone. Ok, liste des compétences. C'est quoi ça, Regensu initiation? Entraînez-vous au style Regensu pour renforcer vos troupes. Cool, on va faire ça à la Regensu. J'ai une compétence apprise, mais je... Oui, pardon. Un pendentif, je pensais qu'elle allait tout dire. Un pendentif trouvé au cœur d'une violente tempête sur la mer d'Elements. On raconte qu'il lui arrive parfois d'émettre un son ressemblant au hurlement d'une bête. Bon, c'est ce qu'on avait déjà lu. Rogokuro, vraiment? Certes, ce pendentif a un côté sinistre, mais le bijou en lui-même a une belle couleur rouge. Je pense même qu'il tirait bien Velvet. Ils ont quand même fait un travail terrible, hein. C'est-à-dire que sur chaque objet et tout, il va y avoir des dialogues. Je ne sais pas, je dois prendre ça comme une insulte. Ah oui, parce qu'il lui dit que ça lui irait bien. Attends, merde. Je sais pas, je dois prendre ça comme une insulte. Je ne disais pas ça méchamment, c'est comme mettre du rouge à lèvres sur un laport, tu vois. Oui, d'accord, tu t'enfonces. Et tu n'as jamais entendu cette expression? Ça veut dire que si une belle personne s'habille de manière élégante, elle sera encore plus belle. Tu as tort sur tellement de points. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Bon, laisse-moi formuler ça autrement. Donner des perles au laport, du caviar au général et des pendentifs aux démons, un truc comme ça. C'est plutôt comme parler à un sourd. Les traductions sont pas terribles, hein, des fois. Hein. Donc on a trouvé un petit pendentif, ok. Et bah les compétences, c'est pas des Arte, hein, du coup, hein, on est bien d'accord. Je sais pas ce que ça va être les compétences. Bon, peut-être on va avoir un tuto, on a tout le temps des tutos, alors... Il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas un tuto pour... on va partir. Hein, c'est bien ça, on doit aller sur la route du lac de Galles. Route de Danan. On n'a jamais été à droite. Hein, regardez. On va aller à droite pour voir. Allez, on se fait un petit combat, ça fait longtemps. Je sais que ça vous fait plaisir. Non, je vais plutôt prendre le... Ah, j'ai fait l'arc mystique. Ah bah oui, non, parce qu'elle l'a fait d'elle-même. Mais alors, je sais plus, c'est LT, hein. C'est LT l'arté mystique. Bon, les petits serpents. Hein. Vous vous souvenez qu'il faudra que l'on. Il y a un démon rouge encore à tuer. Hein. Et je me souviens plus où il se trouve. Tiens, là, ouais, on n'est jamais venu ici. Bon, ça va être barré. Qu'est-ce qu'il nous raconte, lui? Il y a de grosses tempêtes et des tremblements de terre dans les plaines d'Aldina. L'abbaye en. On a restreint l'accès. Mais il y a des villageois pionniers qui s'y sont établis. Sans le commerce, leurs habitants vont... Le peuple ne doit pas gaspiller ses ressources pour une poignée de gens. Faites confiance à la sagesse de l'abbaye.
Très bien, j'imagine que c'est le bon choix. Donc là, c'est pour aller. Il va me le redire. Partez, même avec un permis, personne ne passe jusqu'à ce que l'interdiction d'OSG soit levée. Ok. Bon, y a pas un petit truc à looter là? Je suis surpris. On est surpris là quand même. Ouais, tu peux te battre toi. Il faudrait que l'autre fasse son arc mystique. Je regarde un petit peu le menu, je vois que le gamin là, la ficelle, il avait 3 il avait 3 JP et il l'a pas utilisé. Alors, titre obtenu, pugiliste vengeur. Trop de bêtes, ok. Donc c'était pas par là. On va tenter l'autre. Attends, ils sont sensibles à quoi eux? Ils sont ailés, on sait pas encore. Ah voilà, il fait son arc mystique. Merde. Mais elle se déplace tout seul. J'ai l'impression que je me suis mis en semi-automatique ou... C'est peut-être parce que j'ai l'habitude de jouer à Judgment en ce moment et... Oh là, je prends la misère là. Voilà. J'ai l'impression un petit peu fort du jeu. Voilà, comme ça là, moi je m'entends aussi. Le retour est bien. Alors, objet remporté, anneau de résistance. Est-ce qu'il y a, j'ai un de mes personnages qui... Non, pas encore. Ok. Là, toute cette petite partie-là, nous n'y sommes pas allés, hein. Ah oui, il y a un petit trésor. Hop, hop. Hop, 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 hop. Ah, putain, le bâtard. Allez. On va leur mettre la misère. Par exemple, les... Eux, ils sont... Attaque... De terre, ils aiment pas. Ah, la caméra, elle pourrait tourner autour, hein, loquer. Il est pas mort. Ah, ça bastonne, hein. C'est dynamique, hein. Alors, maîtrise, bah justement, anneau de terre. Dégâts de terre réduits de 4%. On va aller lui mettre l'anneau de résistance. Regardez, hop, équipement, on va directement sur Rokuru. Il a maîtrisé le dégâts de terre réduit de 4%. Merde. Si on va dans ses statistiques, dégâts de réduit de terre de 4%. Très bien. Et là, du coup, on peut lui mettre le nouvel anneau, celui de résistance. Qui va aider énormément puisque c'est une défense d'Arte plus 5. Et il est. Allez hop. Allez, c'est très bien. Ah oui, on ouvre le coffre quand même. Allez hop, un petit peu de pognon, ça fait toujours plaisir. Bon, y'a rien d'autre là. Donc toi, tu veux te battre, j'ai l'impression. Hors ligne, j'ai changé un petit peu mes arcs d'ordre pour voir si c'était un peu plus efficace. Mais j'ai pas l'impression. Mais je me fais bloquer souvent là, quand même. J'ai du mal à savoir lequel que je lock.
Je crois que je fasse quelque chose contre l'étourdissement. Hein. Je suis souvent étourdi. Ok. Allez, on continue. Continue notre périple. Alors, est-ce que ça nous mène au... oui, parce qu'il y a plusieurs endroits où nous ne sommes pas allés. Là, on va aller... Oui, ça doit être par là, hein, je pense. Hein. Chercher Mendy, les réduits introuvables sur la route du lac de Galles. Espérons que ça soit par ici. Il y a un endroit où, vous voyez, sur la carte, là, nous ne sommes jamais allés. Oui, je pense que c'est ça. Ah, non ? どう、なんか嘘吠いてる強そうなのがいるぞ。ひょっとして、あれが公衆警戒ゴーマか。だとしても、私は関わらないわよ。力を無駄に使う気はない。もう、私は、そういう手強いゴーマを倒せる大魔士が揃ってる。だろう、ライフセット。テレサ様たち一等大魔士の上位と、その上の特等大魔士なら。 お前の敵だろ。一理ある。大魔士個人もだが、組織としての勢量の力は巨大だ。こっちも強いゴーマと戦って、力を高める必要があるって言いたいのね。俺ならそうする。お前がどうするかは自由だ。分かった。一理あるのは認めるわ。ただし、敵の力量はしっかり見極めろ。 On va tenter. C'est quand même c'est tentant. Bon, en même temps, est-ce qu'on peut y accéder? Il est en bas. Hein. Si on regarde la carte, nous on est là. Ah oui, en fait, faudrait passer par. Faudrait faire. On essaiera de s'en souvenir qu'il est en bas, cet enfoiré. Il a failli m'attaquer par derrière, le petit bâtard ici, là. On t'a vu, hein. Allez, c'est parti. C'est bon. Ah, j'ai vu qu'il y avait un truc qui était débloqué, mais on va le voir ça après. C'est lui. Ah, on l'a eu par le... On l'a attaqué dans le dos, donc on a une situation favorable. J'aimerais bien changer de personnage. Voilà, lui. On va voir un petit peu ce qu'il a dans le vide, Zenzen. Il met des grosses patates. Merde, j'ai pas vu. Route de Danan. Route du lac de Galles. Ah bah, on est sur la bonne direction, c'est parfait. Juste avant, je vais dans équipement. Je pense qu'il y en a un qui... Voilà, il a eu la maîtrise de... Voilà, c'était ça, maîtrise du... Il a l'expertise des dégâts d'eau réduits de 4%. On peut le voir ici, dégâts d'eau réduits de 8% parce qu'il en a eu un autre. Donc on va lui changer l'anneau d'eau maintenant.
Et on va lui mettre un anneau qu'il n'a pas encore maîtrisé, bah, l'anneau de terre. On va faire ça à chaque fois, hein. C'est le nœud de la guerre. Ok, donc là on est sur la route de Gal. On avait bien vu. On est de sérieux aventuriers. Hein. On se trompe jamais. Pour l'instant, on s'est jamais trompé de route. Là, je vous avoue, là sur mon grand écran, là, c'est magnifique. Allez, on joue. Oh là, le lapin, tu peux battre. Alors qu'est-ce qu'il peut faire lui? Il est débat. C'est de la merde. Ok. Je change un petit peu de personnage pour voir leurs différents gameplays. Je suis pas convaincu. Par contre, le côté semi-automatique là des Arte, j'aimerais bien le changer. Comment je peux faire ça? Putain, mais j'en ai des nouveaux que j'utilise pas. Ah non, ça c'est les attaques. C'est les brise-armes. Ok. Ok. Mais comment je change là Merde, je retourne là. Voilà, manuel. Auto. Je vais mettre manuel pour voir qu'est-ce que ça change. Et l'autre, elle était derrière, puis maintenant elle est devant. Bah, tu nous fais de l'arté mystique avec sa pièce là qui me fait penser toujours à sa pièce qui me fait toujours penser à Double Face dans Batman. Alors, objet remporté, habit soyeux. Habit tissé dans une soie unique. Hein, c'est pas ce que tu trouves chez Tati ou chez Auchan. Hein. Habit tissé dans une soie unique, doux au toucher. En plus, c'est doux au toucher. Il s'agit d'une bonne armure. Bon. Alors, on va voir ça. Équipement. Habit calcite, elle est pas encore maîtrisée. Gilet, elle est pas maîtrisée. On a rien. Oh, mais c'est un petit peu de la merde. Ça nous fait baisser tout. On le mettra après. Pour avoir l'expertise. Bon, vous avez compris le truc de l'expertise, hein. J'ai pas besoin de leur dire 50 fois, bordel. Bon, là, j'étais en manuel. Et bah, écoutez, j'ai pas vu vraiment la différence. Je me mets en situation dangereuse. Oula, 208. Il m'a fait un sacré dégât là. Eh oh. J'irai pas te crever. L'autre il fait un arté mystique et zen là-bas. J'essaye de lire le jeu. Il se passe tellement de trucs à l'écran. Bon voilà, il est mort lui. Allez. Eh, venez m'aider là. Il est mort. Eh, oh là là. Oula, objet.
Oula, attendez. Équiper. Objet. Fiole de résurrection. Objet. Fiole de résurrection. Faut pas qu'on crève ici. Attendez, objet. J'ai les deux pommes. Mais merde, je vais me faire tuer. Putain, mais ah oui. Ah oui, donc là, ça rigole que, ça rigole que dalle, quoi. On s'est fait baiser. Vous avez, vous souvenez, hein, on a fait la sauvegarde, mais on n'avait pas changé. Voilà, l'anneau. Moi, je m'en souvenais. Donc, on va lui mettre l'anneau de terre. Ah oui, là, on s'est fait tuer bien, quoi. On s'est fait. On s'est fait laminer. Bon, du coup, on trace plus vite. Ah, il y avait un truc à examiner. Ah, les marmottes, elles sont sensibles à quoi, les marmottes, là? Point faible, ah non, elles sont résistantes à la brûlure, ok. Bon, tu vas trouver là. Allez. Bon, ça devient un petit peu plus complexe là. Ok. Peut-être le fait que je me sois passé en manuel, là, il y a des trucs que je fais moins bien. Oui, il y a un truc qu'il faut que je ramasse là. Putain, mais ils sont deux à me courir après. Ils me courent toujours après? Oui. On y va, on trace. Ils sont toujours là? Mais j'ai pas peur de vous. Hein. Allez, c'est bien. Allons sur l'artémistique, on va avoir besoin. Enfin, faut pas que je fasse des attaques de feu ici, ils ont une résistance. Voilà. Mais au moins du coup ça devient plus intéressant, le jeu est plus dur. Moi j'aime bien qu'il y ait des challenges. Et voilà. Objet inventé, chaussures de commandement. Chaussures de commandement pour femmes qui sont à la fois confortables et jolies. Alors. Bon, en même temps. Ah. Mais c'est pour femmes. Tu vas pas pouvoir les mettre. T'es trop petit et puis t'es pas une femme. Ah, par contre, il peut mettre des chaussures solides. Bottes d'ambre.
Et ben on lui met ça. En plus on en a deux paires. Mais il fait pas d'attaque d'Arte lui, on va lui mettre juste les chaussures solides comme ça. Elles sont maîtrisées aussi. On va lui mettre les chaussures solides. Il va être un petit peu moins bon pour la magie, mais de que dalle. Allez hop. Ça c'est pas mal. Par contre, pour Velvetto, on a les. C'est celle qu'on vient d'attraper, hein, j'imagine. Ah non, c'est les chaussures de commandement, c'est pour les femmes, on est bien d'accord. Concentration plus 8, et puis là il y a un petit effet de PV de mes couilles. On le mettra après, on attend l'expertise de la concentration sur ces bottes calcite. Bon, faut pas qu'on fasse le con là. Mais bon, j'en démords pas, il y avait un truc Il y avait un truc là qu'on pouvait. On pouvait regarder. Bon allez allez. Pas pour plus de temps. Déjà le fait d'être mouru, ça m'a fait perdre 50 viewers. Et c'est toujours pareil, je vous l'ai déjà dit 1000 fois. Les gens, c'est à peine le repas à peine commencé, ils veulent déjà le dessert. Alors qu'on est à l'entrée. Trop de danan. Sauvegarde, comme ça j'ai pas besoin de me retaper tout le menu si je crève. Alors mon expédition est revenue. Qu'est-ce qu'ils m'ont ramené? J'espère qu'ils m'ont ramené des jeux vidéo. Non, victoire, défaite. Encore du thon, mais on va bouffer que du thon toute notre vie, quoi. Et du poisson séché, bravo. Ah, nouvelle zone découverte. Île de Diomel. Compétences pour voyage suivant. Renjensu, Injection. Compétences actives. Oui, je veux... Non. Non, je veux explorer l'île de Diomel. Allez, c'est parti, on est en exploration. Ok. Bah, c'est joli par ici. Bon, ça, évidemment, on va pas pouvoir monter, voilà. Bon, les serpents et c'est quoi la différence entre automatique et semi-automatique? Je vais faire un truc. Arte, je vais la mettre en auto, on va voir ce que ça fait. Le titre obtenu, éternel combattant, Brisso. Écharpe remportée, écharpe à rose aphrodite, écharpe à rose aphrodite. Bon, ça on sait ce que c'est, mais pour l'instant on expertise. L'écharpe à rose aphrodite, si je me souviens bien, ça nous permet de nous filer des PV à chaque fois qu'on tue un ennemi. Ce qui est très très intéressant. Et je suis notamment en train de l'expertiser. Pour pouvoir avoir ça, ce bonus et pouvoir passer à autre chose. Toi, on te nique dans le dos. Oui, carrément, elle me fait des arts mystiques alors que j'ai rien demandé, quoi. Mais elle se bat toute seule en fait là. Ouais, voilà, on arrête tout. Elle est en train de se battre toute seule. Ça m'intéresse pas. Je veux quand même jouer un petit peu. Somioto. Le jeu était en semi-automatique à la base. Bon, on a tous appris, on a tous pris un niveau. Et Eizen a appris l'Arte Lance de Pierre. Et il a eu un titre évidemment. Mais en fait, je reprends ça un petit peu au jeu. On est vite perdu parce qu'on gagne énormément de choses. Il y a trop de trucs à lire en même temps. Putain, mais lui, comment on fait là ?
Ah oui, du coup, quand on est en situation défavorable, on a que 2 âmes, et du coup, on peut pas faire une attaque spéciale en début de combat. Et là, on va. Là, je peux pas l'attaque spéciale. Voilà. Bon, tu vas crever là, le singe. Voilà, encore un anneau de résistance. Enfin, on gagne trop de trucs, je trouve. Et attends, on va quand même aller jeter un petit coup d'œil là. C'est tellement joli. Ah, que je me plante pas, hein. C'est par où je suis venu là. Faut qu'on aille par là, hein. Voilà. J'allais me planter. Bah non. Non, on est bon. Mais c'est moi qui me suis planté tout à l'heure. Je suis revenu sur mes pas en fait. Oui, je suis complètement con. C'est pas la première fois, hein. Mais non. Ah oui, parce que je voulais juste regarder un tout petit peu et du coup ça m'a complètement... Putain, mais encore une fois. Oh, ça va le faire. Ouais, m'en voulez pas trop, hein, c'est pas... C'est pas intuitif et puis les nerfs du mat. Je suis fatigué. J'espère que vous m'en tiendrez par rigueur. Et oh les... Allez les singes, ça va peut-être aller là maintenant. Je vais les calmer. Oh les singes. Parce qu'on a fait, mais on les a eu. Oui, à un moment donné, on... Oui voilà, c'est ça, je voulais juste passer par là pour voir un peu ce qui se tramait là-haut, mais... Il va me rattraper là? Non. Bon, normalement là on arrive. Si on regarde la carte, ça va se passer. Chercher midi, les radios à travail sur la route de Galles, ok. Ah, vraisemblablement ça va être. Et sinon, vous voyez, on est juste en dessous de notre. Voilà, ici. La lame de Rokuro. Éliminer le démon code rouge sur la route de Danan. Ouais, c'est bien celui-là. Hein. Faudra qu'on aille se le faire. Allez, on continue. Donc là, on n'a pas vraiment... Ah, là, on est en dessous. Hein. Attendez, je regarde la carte. On est là. Ah, on pourrait passer à droite et après encore à droite. Allez, on fait ça. On va essayer de se faire le gros monstre. Parce qu'on n'y reviendra jamais sinon. À moins qu'on ne puisse pas. Hein. Non, on ne peut pas. On sait que ça coïncidait, mais non. Alors, on a un anneau de terre. Oh non, là, on en a déjà 1000. Ils sont gentils, mais... À moins qu'ils soient mieux que les autres. Un autre vent, un autre feu, une résistance, un autre terre. Ah, il a une défense plus 5, celui-là. Et on prend celui-là. Et parce qu'en plus, non seulement de ramasser des objets à tire-larigot, en plus, chaque objet a des petites variantes. Il va m'avoir par derrière, t'es sûr. Le mieux, c'est maintenant, c'est de les attaquer. Hein. Ça lui fait rien. Et le point faible, c'est l'eau. Mais moi, l'eau, j'en ai que 15 et je sais plus où. Ouais.
Je viens de comprendre qu'en haut, ça me marque les coups, mais ça me marque pas seulement mes coups, ça me marque aussi les coups. Ça me marque aussi les coups de mes compagnons. Alors du coup, c'est un bordel sans nom, quoi. Bordel sans nom. On lui laisse son petit chapeau de cow-boy, hein, ça lui va bien. Ah oui, mais si, on peut y aller par ici. Allez, on y va. On est foufou. Il va pas me rattraper. Regardez. Il va lâcher l'affaire au pont, voilà. Ouais, j'en étais sûr. Ils sont pas téméraires. Allez, on a dit à droite. On va aller se faire la quête secondaire. Bon, j'espère qu'on va le tuer, hein. J'ai combien de vie, là? Il est là, hein, normalement. Voilà, je le vois, il est là. Allez, on essaie de l'attraper par derrière. Merde. Allez, on le bourrine. Normalement, on devrait avoir le niveau. Hein. Bon, je dis ça, mais on est déjà mort. Allez, brûlez-le là. Je regarde les PV de mes boss, de mes potes. Merde. Allez, on va se prendre un objet. Option. Fiole de mes couilles. On va le donner à. Hey, tu veux pas nous soigner là, enculé? On va pas en avoir assez, hein. Faut vite se barrer quand il fait ça, hein. On peut le tuer si on fait pas trop le con. Attendez, objet, fiole de résurrection. Attention, il va refaire son attaque de merde. Il est à terre. Vite, barrez-vous. On va le baiser. Oui, bah oui, voilà. On a géré un petit peu avec la résurrection. On a utilisé 2-3 petites pommes. Et finalement, ça s'est relativement pas trop mal passé. Il est électrique. Ah bah, je suis très content. Glacide de l'apprenti. Confère une compétence aléatoire qui augmente la vitesse d'apprentissage des expertises équipées en difficulté normale ou supérieure. Et ben on est en normal, donc ça devrait être bon. まあまあの手応えだったな。やっぱり自分が修行したかっただけなのね。俺のためだけじゃないぞ。俺が強くなればお前の戦力が大きくなる。これも立派な恩返しだ。 自分のためっていうのは否定しないのね。当然だろう。修行して高みを目指すのは剣士の差がだ。今更だが、
なぜ六郎は恩返しをすることになったんだ。ベルベットは俺の命の太刀のありかを教えてくれたんだ。あと懲役500年を食らった牢獄から解放してもらった。感謝の順番はそれでいいのか。だから信用できないの。心外だな。蘭月家の男は義理がたいので有名なんだぞ。それにしても蘭月って変わった名前だよね。独自の権威と太刀を操る一族と聞いていたが。何でもご先祖は遠い異国の剣士でな、大昔にこの大陸に渡ってきたらしい。異国の剣士、道理で変わった剣と技を使う。 Oui, en fait, un étranger. ご先祖は慣れない土地で随分苦労したらしいが、とある貴族に拾われた。 Oui. 以来蘭月一族はその貴族を主君とし、Ah bah ça s'appelle l'intégration, assimilation, très très bien. Bravo. Voilà. Ah, en plus il parle des ancêtres, voilà, mon dieu. T'avises pas de parler de ça à notre époque, tu vas te faire tomber dessus, mon gars. De tes ancêtres, oulala. Dana. Mikata no uchi wa tayori ni naru tomo ieru ga na. Nan de so naru? Quoi qu'il est de notre côté. Bon, bah, on a réussi à tuer un monstre, hein. Regardez, hein, si on va sur la carte, c'est bon. Comme ça, quand on retournera au village, on va pouvoir faire les beaux, on va pouvoir faire les fiers. On va pouvoir dire, eh, nous, on l'a battu, hein. En fait, on était déjà venu ici, mais il n'y était pas. Tant qu'on n'avait pas pris le contrat. Ou alors il y était, puis j'ai pas fait gaffe. Il était en bout de piste. Bon, normalement, on n'a pas besoin de regarder la carte. On sait où se diriger, là. On tourne directement à gauche. Une petite save me ferait plaisir, hein, je vais pas vous mentir. Ah bah y'en a une là-bas. J'irai pas te crever contre un loup, hein, ça sera un peu con. On va l'affronter tout de suite, j'ai pas envie de l'avoir dans le dos. Voilà, il est mort. Non, il est pas mort. Il est pas mort, hein, c'est pas possible. Et oh là, me tue pas. Merci. Ceinture d'ambre, je sais pas ce que ça fait, mais on verra ça plus tard. Quoi, y'en a un qui me suit. On va te faire foutre. On va sauvegarder d'abord. Ok. Bon, on va le trouver, ce type. Mandy. Donc là, on a l'ogresse. Bien ça, hein. Recherchez Mandy, vous êtes en train sur la route du lac de Galles. Ah merde. Route de Danann. Merde, on est retourné, non. On y était tout à l'heure à la route du lac de Galles. Route de Danann. Où on n'a pas été? Oh mais merde, on s'est complètement... Ah bah non, mais je suis complètement con. Allez hop. Autant pour moi. Bon ça va. C'est quand on fait pas de combat, la route se fait vite. Oui, et en plus je me suis vanté que j'allais me rappeler de la carte, et puis pas du tout. C'est bon, hein, là on est sur la... Voilà, c'est ça. Bon, lui on se le fait, hein, parce que vous savez bien que sinon il va nous faire chier. J'ai l'impression qu'elle fait plus son attaque avec les arcs cachés.
Faut que je regarde sur internet que c'est quoi les meilleurs builds, les meilleurs plans là. Allez. Ouais, on loot de trop de choses, hein, c'est... Non, ils sont allergiques à quoi eux? Ils en ont pas, ils ont pas encore de points faibles. Ouais, ça devrait être bon là. Voilà. Ok. Anneau de résistance, gilet naturel. Ok, c'est que des trucs qu'on a déjà. On a rien expertisé encore. Oh putain, qui ne tue pas. Ok, donc là on y est. Enfin. Et c'est juste la seconde mission. Hein. Route du lac de Galles. Bon bah il doit se trouver ici, hein. on est sur la route du lac de Galles, la bordel de merde. Putain, il y a des ennemis partout ici. On va suivre la piste de Xapatan. On doit brûler ça. Voilà. Joli coquillage. Non, mais moi je veux monter là. Ah voilà. J'ai eu peur qu'on puisse pas y aller, putain. Voilà, et ça on va le pousser. Le bloc de pierre est entouré de planques grimpantes qui semblent pouvoir être facilement brûlées. Ah oui, j'ai eu peur. Hop, mon petit briquet. Mon petit zippo. Voilà. Bravo. Ah, c'est l'aventure. Là, vous êtes gâtés, là. Là, c'est l'aventure. Imaginez ça dans votre vie un jour. Allez hop. Ouais mais du coup ça nous dit quoi? Là c'est bon, on y est. Ah, on voit la petite étoile en bas à droite. Regardez, elle est au-dessus de mon nez. C'est là qu'on doit aller, bordel de merde. Donc on va descendre. Je suis tenté d'aller voir vers le haut pour voir vite fait ce que c'est. Histoire de perdre un peu de temps. De toute façon, on va perdre notre vie sur ce jeu. Hein. Vous le savez, hein. Ça dure, c'est des jeux qui ça dure 15 ans. Quoi. Juste voir par curiosité. Oh là là. Une espèce de gros truc rouge. Ça fait très peur. On va aller vers le bas. On ramasse ça puis on se barre. En plus il n'y a pas de musique, ça fait très peur. Oula. Non, on descend de toute façon. L'étoile était vers le bas donc. Si on peut éviter quelques combats, ça m'arrange. Il est en garde là. Si j'ai réussi à éviter leur laser. Elles aiment pas les coups de pied, hein, j'ai remarqué. Donc je vais utiliser ça. Ok. On a toujours rien expertisé là. Bon, ce qui est bien, c'est que ça va être de plus en plus long. On aura moins de messages.
Oh, la situation dangereuse et en plus on a plein de lutins. Ah oui, carrément, 260, 240, je suis mort. Si tu pouvais faire quelque chose, toi, le petit là, qui fout rien depuis le début du jeu. Gueule de résurrection. Pour moi. Ok, objet. Pas encore le gamin là qui fout rien. Fiole de résurrection, s'il te plaît. Ah, tu seras réveillé. Mais tu vas trouver. Bon, on va y arriver, hein. Voilà, là, je l'ai bien évité. Si tu peux me remettre un peu de vie, ça serait bien. Attends, on... Non, attendez. Non, non, pas stratégie. Arte. Premier soin. On peut pas lui demander de m'en faire un ? Il l'utilise pas assez souvent, hein, son premier soin. Ah si, il a une petite étoile. Bon, fiole de résurrection. Mais je comprends pas ce qu'il fait. On en va crever. Ah, je suis désolé. Mais bon. Le bateau est rentré, qu'est-ce qu'on a? Regardez-moi ça, une victoire de défaite. Ah, un double requin, bah, c'est quand même mieux que du... C'est quand même mieux que le thon. Une nouvelle recette. Compétence de voyage suivant, Regensu initiation. Non, moi je me ferai encore bien les mers, parce qu'on n'a pas tout eu les matériaux. Voilà. Donc là on est là. Bon, on fait pas le con, hein. Ah, faut qu'on refasse tout. Ah, c'est la old, c'est old school, hein. C'est là qu'on regrette qu'on s'est mis en normal. Non. Au contraire, ça va nous pousser à comprendre un peu le... les éléments, les faiblesses. Allez, un petit coup de zippo à nouveau. Puis bon, cette petite animation du rocher qui roule, je sais qu'elle vous a plu. Alors, de toute façon, vous alliez vous la remettre en replay. Alors, comme ça, au moins, c'est fait, vous l'avez revu. Donc, on va directement vers le bas. Et cette fois, on se fait pas. Voilà. Ouais.
Il va falloir qu'on utilise la parade un peu plus souvent. On va essayer de bien jouer en fait. On va arrêter de brûler les touches. Ok. Donc ouais, voilà, c'est ça qui me met des fois. Des fois la caméra on réapparaît comme ça et alors du coup on repart dans une mauvaise direction vu que tout se ressemble. Enfin tout se ressemble pas, mais c'est le problème quand on a une carte, c'est qu'on regarde pas on regarde que la carte. S'il n'y a pas de carte, je serais bien obligé de me focaliser un peu sur le décor. Allez, on va se faire rien. Ils sont difficiles, eux, hein. Voilà, quand j'appuie là-dessus, c'est une salope. Voilà, je me défends un petit peu. Voilà. Bon, ça commence à rentrer. Alors, on a eu des maîtrises. L'anneau de résistance et le gilet d'ambre. Ezen, il a PV max plus 30. Et notre ami Rokuru, là, il a défense d'Arte plus 5. On va tout de suite leur mettre un autre équipement, du coup. Alors, il a l'anneau de résistance. Très bien. Donc il a une défense d'Arte plus 5. On va lui mettre l'anneau du néant maintenant. Ou l'anneau de feu. Parce qu'il est il pêche un peu en attaque magique, mais en même temps, est-ce qu'il en fait beaucoup? Et l'anneau de la terre. On va plutôt lui mettre l'anneau de la terre. Ah non, il l'a déjà maîtrisé. On lui met l'anneau du feu. Allez. Comme c'est là un dégât de feu réduit de 4%. Et Eisen. Avec son gilet d'ambre. Mais je crois qu'il peut rien mettre d'autre. Ah si. Mais là ça lui baisse tout drastiquement. Hein. Déjà qu'il est pas folichon. Allez, on prend ça comme s'il aurait une défense de plus 5. Si ça merde trop, et ben on changera. Ok, on fait comme ça. Pas monter là? Ah si, c'est sûr. Bah en fait, ce qu'il faut qu'on n'oublie pas de faire, c'est ça. Non, pardon. C'est de faire une sauvegarde rapide. Et voilà. Ça, on se fait plus chier. J'ai appris le théorème de Thalès, mais je sais pas pourquoi. Pardon, c'est une petite blague de collège. Ah, il me lâche pas, là. Mais c'est bon, on arrive à la frontière. Bon, il est où, là, le... Bon, on est censé... On va aller vers le haut, hein. De martiaux, hein. Les dégâts sont en rouge, donc on voit bien que ça latte. Merci de m'avoir soigné parce que j'étais dans la merde. Là. Là, j'ai fait une belle esquive.
Je vais pas me... Si on l'atte à deux là. Voilà. Alors, talisman d'ambre, puissance d'attaque de terre plus 4%. Très bien. On a des nouveaux habits. Bah, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. On va passer le jeu à talisman d'ambre. Puissance d'attaque de terre plus 4%. Talisman d'ambre. Bon, il va être un petit peu moins, mais il va être un petit peu plus. Ça, tout ça c'est maîtrisé. Hein. Bon, allez, on va lui mettre celui-ci, c'est pas mal. Attaque d'Arte plus 30%. Lorsque quoi? Putain, faut le remettre. Lorsque les PV sont inférieurs à 8%. Un peu de la merde. Puis on descend drastiquement en attaque. Allez, charme double. On lui met celui-ci. Et normalement, elle a un nouveau habit soyeux. Mais on va bientôt le mettre. On va bientôt le mettre parce qu'on va bientôt finir l'expertise. Ouais, j'ai pas besoin de répéter ce que vous savez déjà. J'ai l'impression de me répéter là. On va être tenté de sauvegarder tout le temps en fait. Hein. On peut pas passer. Oh non! Mon dieu, alors si on peut pas passer par là, ça veut dire qu'il aurait fallu faire tout le grand tour. Ah, et puis là, non, il n'y a pas moyen. Hein. Je vais aller vers les petites îles là-bas. Mais ça servira à rien. C'est juste du petit bonus. Hein. C'est planté de chemin, quoi. Bien sûr qu'on veut, on veut libérer la binouze. En haute forme. On va les deux sepas le mettre au gamin. On s'est promis de le rendre plus heureux. Il veut pas. Non mais pas pour moi, évidemment, moi j'ai pas besoin de ce genre de babiole. Ah, il avait vraiment l'air d'un con. Moi j'ai hâte de quoi, c'est de pouvoir lui changer sa tenue, hein, parce que vraiment ça, la robe de chambre avec les rideaux, là, c'est pas possible. Remarque, lui, il serait joli avec le haut de forme. Allez, on lui met le haut de forme. On lui met le haut de forme et puis non mais lui on lui met rien hein, parce que est-ce qu'il est plus joli avec les cheveux un petit peu plus plaqués. Allez, on s'en fout. Bon bah on s'est planté hein. Malheureusement, j'ai envie de dire. Alors peut-être on peut bouiner quelque chose ici avec les hippos, mais ça nous fera jamais aller là-bas. Hein. Désolé, il va falloir qu'on revienne sur nos pas. Oh, et les marmottes là, vous m'emmerdez. Ils m'ont bien batté là. Hein. Merci pour la sélection.
Ce serait bien qu'on passe de niveau. Ça permettrait de... Putain, mais ils sont 5 milliards. Moi, je me cache un petit peu. Moi, je veux juste ramasser les petites bouboules. Et au niveau vie... Ok. Ah putain. Allez, Artemisique. Ouais, faut... Quand elle est vive, faut pas hésiter à dodger, hein. Faut se décaler, quoi. Comme ça. Voilà. Très bien. On a bien géré le combat, là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Anodo. Très bien. Par contre, je voulais voir un truc au niveau de vêtements, stratégie. C'est où la cuisine? Cuisine, manger. Je veux du requin, moi. Voilà, étourdissement, moi. Ok. Manger après combat, oui. Choisir plat. Sauce. Utiliser ses paramètres de cuisine automatique, oui. Lioli Toba. Attache de Ino, ne? Requin meunier, étourdissement moins 10, paralysie moins 40, brûlure moins 40, lenteur moins 40. Oui, et manger. Oui. Ore dana, Shinigami no ryori, toku to ajiwau ga ii. Ok. Non, mais je voulais. J'étais un peu curieux. Hein. Je suis un garçon curieux, vous savez, non, d'une façon générale. Allez, on se casse. On a ramassé assez de bouboules. On a eu l'anneau d'eau, hein, c'est ça. Bon, bah on se casse, hein, on s'est complètement planté. Merde, c'est où? Ah bah, c'est là, mais... Ouais. Donc, ce n'était pas le bon chemin. Comme quoi, le chemin le plus court n'est pas forcément le... Celui qui arrive à bonne destination, enfin vous m'avez compris. Alors du coup là je suis très déçu parce que ça veut dire qu'il faut qu'on se refasse, qu'on revienne complètement quoi. Ah non. Non. Il faut qu'on monte. Que je fasse pas de bêtises encore. Merde, j'étais protégé là. En fait, c'est une bonne idée de les attaquer par derrière. D'où la parade, en fait. Je comprends mieux le... Je comprends mieux qu'on puisse leur tourner autour, parce que quand on se fait attaquer dans le dos... Ok, il a mangé, très bien. Attaque contenue.
c'est là que tu vas la contenir. Ouais, c'est toujours une histoire de parade et d'esquive. Et ça, oui, il va manger à chaque fois aussi. Ok, on va bientôt passer de niveau, hein. Maîtrise de compétences d'équipement, très bien. La Bitcal Silt, on a un effet d'absorption de PV de 1,5 pour les Artés. C'est très bien. Gilet de calcite, le même. Alors j'imagine qu'on absorbe des PV de l'ennemi quand on utilise un Arté. Et un habit d'ambre. Allez, on va tout de suite se mettre ça. Ça fait très plaisir. Habit de calcite, c'est maîtrisé. La défense d'Arté plus 5. Elle doit se retrouver là. Défense d'Arté plus 10. Oui, parce que j'en ai déjà un autre que j'avais fait. Alors, du coup, on va se mettre l'habit soyeux. Hein, j'ai bien envie. Ce qui donne un dégât non élémentaire réduit de 5%. Ok, et il y en a un autre là qui a maîtrisé le gilet de calcite. Donc, il a un effet d'absorption, très bien. Ah, le problème, c'est qu'après, voilà, bah, on le met le gilet d'ambre. Bon, il perd un peu en attaque magique, mais il gagne un peu en tout. Hein. Allez, on est bon. Et on fait une petite save. Parce qu'on connaît le jeu, c'est un petit coquin le jeu. Je serais bien tenté d'aller débloquer le chemin ici. À moins qu'on l'ait déjà fait. Non, non, on peut y aller quand on veut. Ok. Ou alors on l'avait déjà fait. Oui, on l'avait déjà fait, c'est par là-haut. Enfin, je sais plus. On va dire de conneries. Je pense qu'on l'avait déjà fait. Même sûr. Ok, donc voilà, nous revoilà là où nous nous trouvions tout à l'heure et on voulait pas. Ben, être un bien obligé, voilà. Ils aiment pas les fées là, avec leur petit laser de merde. J'espère qu'ils se démerdent mieux que moi parce que moi j'ai du mal. Effectivement, quand on attaque par derrière, ça marche toujours un peu mieux. Hein. Ok. C'est bien, on a récupéré encore des habits. Allez, on va aller cramer ça. Voilà. Ça me fait penser à un jeu que j'avais quand j'étais môme. Ça s'appelait L'île infernale.
C'était avec des petites billes, il y avait une montagne en feu, enfin un volcan. Ah, j'ai passé vraiment des heures et des heures à jouer avec mes parents à ça. Ça devait les gonfler un peu parce que bon, c'est pas un jeu pour adultes. Ah là, il y a un méchant. Hein. Mais il y a une croix rouge, alors ça veut dire que, à mon avis, il est complètement hors propos. Bien tenté de le faire quand même, s'il y a moyen. De toute façon, on peut pas y aller. Ah si. Enfin, ils me disent quand même qu'il est trop fort pour nous. Hein. Enfin, je fais une sauvegarde rapide hein, pour être certain. On va aller voir. Hein. C'est tentant. Mais vu la grosse croix rouge, faut pas que je me fasse trop d'illusions. Allez, on tente. Ah non mais même, ah non oui voilà. Il y a un truc que je veux faire au niveau de la stratégie. Régénération lorsque la jauge est pleine. Ah non mais ils sont tous bons hein. Ce serait drôle qu'on arrive à la tuer. Elle a l'air de pas aimer le feu. Objet. Gueule de résurrection, s'il te plaît. Et je vais me remettre non, fiole de résurrection, non, gelée de pommes. Allez là. On va l'avoir hein. Yes. Il nous disait que c'était complètement inaccessible hors de propos, mais on a réussi. Neutralisateur, pilleur d'équipement, ventile du méchant, débloque la difficulté de combat intense dans le menu des options. Et en plus notre expédition est rentrée, oh là là, mais qui... Ah bah défaite. Compétence pour voyage suivant, Ranger initiation. Non, on va expédier. Je pense qu'on pourra avoir peut-être tout un autre jour. Alors. 1h24 de VOD, bon. On essaye quand même de trouver ce foutu mec. Fiole de résurrection. Oui, d'accord, mais combien? Nombre dans l'inventaire. Il y en a qu'une en fait. Bon, c'est gentil, mais bon. Et là, on peut pas monter? Ah si. Donc on aura déjà tué un ennemi qui m'aurait demandé de faire du backtracking de fou.
Vous allez voir que la guilde va me dire va tuer le Médusa là. Où c'est qu'on se trouve au, la route du lac de Galles, dans les marais profonds. Oui, oui, mais on l'a déjà tué, Coco. Hein. Si tu veux. On n'a pas que ça à foutre. Bon, allez, on retourne sur notre mission principale. Du coup, on aura tué deux boss. Enfin, deux boss. Deux mid-boss. C'est bien ça, hein. Faut qu'on se dirige par là. Ouais, voilà. Bah, je vais faire une sauvegarde, hein. Il s'agirait pas de d'avoir à tout refaire. C'est un coffre quoi là-bas? Et dis donc, ça serait pas un petit coffre un petit peu argenté? N'oublie pas de... Il faut vraiment que je me protège. Hein. Mon dieu. Faut pas hésiter, hein. Je suis mort. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah, niveau, très bien, ça m'a remis toute ma vie. Bon, Nokuro aussi. Très bien. On va aller voir ce coffre finalement. Botte de calcite. Très bien. Un petit tour dans l'inventaire. Équipement. Bon, moi je les ai déjà les bottes de calcite. Hein. Ah là, botte de combat par exemple. Et ben maintenant il peut mettre les bottes de calcite. Et puis en plus il en a besoin. Les bottes de combat. Alors excusez-moi, je sais que je suis chiant, mais bon, il a une concentration plus 5. Ça c'est bien la concentration. C'est ce qu'il faut augmenter notre notre jauge d'âme. Le nombre de coups qu'on peut faire à la suite. Alors, botte de calcite. Nous donnera une attaque, une concentration plus 30 sur les... À chaque fois, faut refaire le truc. Sur les PV inférieurs à mon cul. Ok. Si c'est inférieur à mon cul, ça va. Tout se passe bien. Je... Non, on les enchaîne pas mal. Voilà. Commence à comprendre le principe. Commence un peu à comprendre le principe. On a augmenté de niveau. Effectivement, quand on monte de niveau, vous l'aurez bien compris, on attaque un peu plus fort aussi, quoi. Mais qu'est-ce que je fais? Et tout se ressemble, je suis en train de parler, j'ai la tête en l'air. Regardez ce rocher-là, il ressemble pas un peu à celui-là? Alors forcément, je repars en arrière. Et ben voilà. On est bon. Il y a un truc à examiner là. Fragment de calcite. Un élément d'amélioration simple, pardon, obtenu en démontant un objet qui contenait de la calcite. Ok. Mais en fait, on n'a même pas envie d'améliorer les objets. On en ramasse à chaque fois un de nouveau. Alors, à quoi ça peut bien servir? Non, 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 on fait plus de combat là. On va directement à ce qui nous intéresse. Bien qu'on soit bien tenté d'aller un petit peu à droite pour ramasser le coffre. Ah, s'il n'y a pas la carte là, on est complètement baisé, hein, tout se ressemble. Ah, mais merde, on peut pas y aller. Bah, heureusement que c'est pas là où on doit aller. Hein. Donc, ça veut dire qu'on sera obligé de revenir
Ah là 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 là. Évidemment. Pour autre chose. Ah, il y a les soldats là. Oula, oula, ouais, j'étais pas prêt, moi. Tiens, vous allez tous manger, vous allez voir. Voilà, déjà un garde en moins. Point faible, l'eau, ok. Il ou l'autre garde. On va déjà se faire les gardes. Voilà. C'est très intéressant de leur tourner autour hein, quand même. C'est bon, il est mort. Allez, toi. C'est bon. C'est un new perdu? Mendy wa tsukamatteru tte koto ka. Ok. Inventite du coursier. Augmente la vitesse de mouvement sur la carte de 10%. Et j'ai pas l'impression qu'on aille plus vite. Il faut que je m'en souvienne. Ventite, comment on les équipe et à quoi ça sert? Ah, et oh. C'est quoi cette rêve partie clandestine là? Qu'est-ce que vous faites là? Et en plus, c'est un prisonnier. Qui diable êtes-vous? Et comment êtes-vous arrivé ici? Vous n'avez pas tué les mercenaires qui nous surveillaient, si? Bah écoute, on s'est gêné. Et toi, mec de Star Trek, t'es toujours dans les mauvais coups, toi. Hein, le commandant de Star Trek. Et toi, bah allez, vous êtes libre maintenant, vous pouvez vous casser, là. Je n'essaie pas de m'enfuir. Oui, bah j'ai vu, mais pourquoi? Vous avez si peur de l'abbaye? Allez, Mehdi, tu peux retourner en Algérie. Ah, petite blague. On peut rire de rien.珍しい石。薬になるけど毒があって扱うのが難しい。正解だ。つまりあんたは薬を作っていたの。ああ。ネクターという地王薬を作らされていたんだ。石成功には強い常習性があるはずだが。私もそう言ったのだが。監禁されて仕方なく。どうでもいいわ。目的は果たした。一人でローグレスに戻れるわね。 Pourquoi vous excusez? Tomore, il a eu à Tasseda. Sakabano Basan ni Hokoxiose. Bah oui, ça serait bien. Attends, avant, je. Attends. En fait, c'était un petit prisonnier. Elle nous donne pas que des missions de saloperie. Hein. On n'a pas qu'à détruire des choses ou. Non. Mais qu'est-ce qu'il nous dit maintenant? C'est du minerai vermillon. Selon Mehdi, c'est un minéral, qui se forme sous la chaleur d'un volcan. Mais nous sommes dans des marais, il n'y a pas de volcan par ici. Je n'y connais pas grand-chose, mais une légende raconte qu'un dragon cracheur de vœux vivait ici autrefois. Peut-être que c'est ce qui a créé ces minéraux, mais j'en doute. Oui, t'en doutes, mais tout nous le dit quand même, et en fait c'est ça. Bravo. Ah bah bravo. Et là du coup là on est obligé de tout revenir en arrière. De tout se refaire. Non parce que là il va y avoir une petite un petit truc pour se téléporter, vous allez voir. Voilà, fiole de Dénor, une potion étrange à utiliser en donjon pour retourner instantanément à l'entrée à condition de l'avoir déjà franchi. Et voilà. On peut pas? Mais on n'est pas en donjon. Quelle merde. On peut pas sauter là.
Ah mais là c'est quand même chiant qu'on puisse pas sauter, vous comprenez bien que là, je veux bien être conciliant sur certains trucs, mais là quand le truc ça fait il y a un mètre de haut, et qu'il me dit non... Attends, il va falloir qu'on se retape tout. Bon, on va faire pour aller plus... c'est quoi la route la plus simple? Non mais c'est pas possible. Ah non, il y est pas, hein. Non, objet. Gueule de Dénor. Ah, l'utiliser en donjon. Ah, non, 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 c'est en donjon, hein. Désolé, mais... Bon, allez. On retourne jusqu'à la vieille, et ça sera la partie de la vieille, quoi. Ça sera la partie 5, on leur consacrera la vieille. On va tracer. On va rentrer tout doux. Peut-être un petit combat de temps en temps. Ah, j'ai reçu une fiole sacrée, c'est quoi? Médicament qui évite les combats contre les ennemis faibles jusqu'au prochain séjour à l'auberge ou à la prochaine fuite d'un combat. Oh bah allez, hop. Oui. Voilà, maintenant il n'y a plus de combat. Ah bien. Ouais, on n'était pas venu sur cette petite île. Eh, ils viennent de dire que ça évitait les combats. Qu'est-ce que vous... Pourquoi vous me faites chier? On m'aurait donc menti? Ah non, c'est bon. Bon, allez, on se casse. C'était pas le bon truc. Bon, au moins, on aurait été sur cette petite île en plus. Oui, en fait, tout se retouche après. Ok. Mais il va nous falloir un pont ou un pouvoir spécial. Que je ne connais point encore. Mais on va le... Certes, qu'est-ce que je raconte? Je parle comme un roi, là. Certes, mamie. Et je vous serai gré. Non, certes, rien du tout. Je sais plus ce que je voulais dire. Voyez. Quoi? Ah bah là, j'ai pas vu venir. L'esquive est quand même drôlement pratique, hein. Ça permet de se mettre sur le côté de l'adversaire et j'ai l'impression qu'on lui fait plus de dégâts quand même. Ouais, je vois bien au niveau des chiffres. Bon, il y a aussi le fait qu'on soit augmenté de niveau, hein. Je sais pas si ils sont assez forts, j'ai l'impression que pendant les combats ça gueule. Maîtrise de compétences d'équipement, médaille en souvenir pour Ezen. Efficacité contre les dragons plus 8. Pas mal. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des dragons. Voilà, on a quand même... Alors Ezen, t'es où, enfoiré? Médaille en souvenir. Eh ben on va... Il a tout maîtrisé, hein. Eh ben on va prendre le pendentif d'ambre. Qui est parfait en plus. Meilleure concentration... Allez hop. Regarde vite fait. Ok. Donc là, on fait le chemin retour. C'est pas mal cette petite option qui est pas de combat. Quand on en aura le cul. Qu'on veut faire avancer l'histoire. Mais tout en sachant que voilà, non, il nous reste encore une quête. C'est-à-dire qu'on va aller voir la vieille, mais... Là, c'est une très mauvaise idée de faire ça en début de combat. Ça n'a servi à rien, parce que j'étais face à eux. Voilà, là dans le dos, par contre, ça marche bien. こっちだ。
Putain, elle... Qu'est-ce qu'il est là? Je vais changer un peu le raton laveur. Regardez ce qu'on a gagné. Et hop, on se casse. On se casse. Bon, maintenant on sait qu'on peut passer par là. Bah, quand on trace en ligne droite et puis qu'on a déjà tout looté, en fait c'est ça, les combats, les loots, ça fait perdre un temps fou. Petite save. Ça mange pas de pain et puis ça évite de rager. Non, on se bat plus nous. On doit aller parler à la vieille. Voilà. Et là on fait une vraie sauvegarde. Alors du coup, on doit aller, faites votre rapport à la caverne de l'ogresse. Et bah l'ogresse, c'était là où... Port Dexon. L'ogresse, donc on doit descendre. Tiens, on va même se le faire par derrière lui. Allez hop, dans ton cul. Il est où là? Ok. J'ai pas lu. Il faudrait que je regarde quand même au niveau des artés dans quel ordre faut les mettre pour que ce soit le plus efficace possible. Il y a des moments j'ai mis un petit peu ça aléatoirement. Et je suis pas certain que ça soit le. Enfin, c'est même pas que je suis pas certain, c'est pas le mieux quoi. Allez. On retourne en ville. Moi j'ai l'ogresse, mais bon. Vous le lirez, vous le prononcerez comme bon vous semble. Ok, on est retourné à la baraque. Allez, on se fait une petite cinématique, ça fait longtemps. Petite scénette, pardon. Et puis, Artorius a été augmenté à l'époque. C'est un peu comme ça. 教会が祀ってる神様よね。演説でも言ってたけど、本当にそんなものの力をどうにかできるの？わからん。俺たち精霊にとっても聖書は話でしか聞いたことのない伝説上の存在だ。しかも演説では5番目の聖書カノヌシと言っていた。聖書は治水家風を司る市中のはずだが。新しい聖書ってこと？ライフセットは何か聞いてないのか？ Alors la ficelle. Beaucoup m'ont raconté. C'est rien du
闇ギルドの力を借りて追い詰めるのよ。あいつを確実に殺すためにね。Ouais, bah la guilde elle est sympathique, mais pour qu'elle nous aide, elle nous demande d'aller dans les quatre coins du monde. Les plaines d'Aldina s'étendent à l'est de la ville. Autrefois, l'endroit était absolument magnifique. Bah, c'est toujours magnifique, qu'est-ce que tu racontes? Tu sors jamais de chez toi? Mais c'était avant tous ces tremblements de terre, à présent les plaines sont interdites d'accès. Ah non, on n'y a pas été, pardon. Comme si le fléau démoniaque ne suffisait pas, la nature aussi semble se déchaîner. Ah, ça va être. Mais je pense que le jeu va devenir de plus en plus sombre. J'ai hâte d'être dans des endroits un peu plus lugubres. Bah c'est là? Non, c'est là-bas. Oh, je refais pas une sauvegarde. On va pas mourir. Allez, on retourne à la putain d'auberge. Ah, lui, il est toujours en train de faire semblant de jouer de la guitoune. Tiens, regarde, toi. On a tué. S'occuper des clients est bien plus dur que n'importe quelle tâche que pourraient vous confier les sangars. Vous voulez le vérifier par vous-même? Jouer à apprenti serveur. Règle d'apprenti serveur. Échange d'objets. C'est quoi ça? Piestal. Ah, on peut avoir des... Les trucs qu'on n'a pas chopé. Ok. Mais toi, t'étais pas censé... C'est quoi les règles d'apprenti serveur? Dans ce jeu, vous devez apporter ce qu'il souhaite à chaque client. Non, annulé. Mais attends, toi, tu nous filais des missions? Ah non, t'étais devant la porte. Elle est là. Pardon, je t'ai confondu. Excuse-moi, hein. Toutes mes confuses. Je t'ai confondu avec l'autre conne. On dirait que ça a été une réussite. Voilà ta récompense, comme promis. 3150 gades reçus pour avoir terminé deux codes rouges, en plus d'avoir vaincu Gorille à la hache ravageuse. Tu veux des informations sur l'émission? Tu as bien fait de venir alors. Eh ben on l'a eu. Le nouveau on l'a eu, et on a eu même la vipère rampante. Et Shina Root, voilà, Root de Gal, je savais qu'on aurait eu à la tuer. Ventite du méchant. Donc on a la glacite de l'apprenti, confère une compétence aléatoire qui augmente la vitesse d'apprentissage. Des expertises équipées en difficulté normale ou supérieure. Ok, mais il faut que je me renseigne sur les ventites. Hein. Invaincu, vaincu, bah pour l'instant on est bon. Hein. On en a eu un du type oiseau, un du type monstre. Et puis là vous voyez, il ressemble à un type serpent. Bon, on est à jour. Il y en a 10 sous. Bon, avant de parler à la vieille, on va parler à la femme bavarde. J'espère qu'elle va pas l'aide de trop. Je vous le dis, j'en ai jusque là. Tout ce que fait mon mari, c'est de travailler à longueur de temps. C'est un représentant officiel de l'abbaye. C'est un bon métier, je ne le nie pas. Mais il n'est jamais à la maison. Et les rares fois où je le vois, il me rabat les oreilles avec son travail. C'est insupportable. Ah, vraiment? Ça doit pas être facile. Tu vois comment on s'en fout de ce que tu nous as dit? Bon, la vieille. Oui, il est rentré en Algérie. Oui, voilà qui résout le problème. Déjouer une embuscade maintenant, on a affaire. Protège la société royale de médecine d'une embuscade qui veut lui être tendue sur la route de Danan. J'accepte la mission. La route de Danan. Alors quelqu'un a l'intention de tendre une embuscade. Pardon. Bah on a brûlé leurs médicaments, on est au courant. Un petit peu mal au cou, hein. Oh, je suis bien parti pour continuer un petit peu, hein. Je vois que vous êtes encore 100 000 à me suivre. On va continuer un petit peu. On va faire une petite sauvegarde.
toute façon, si on fait des petites parties, des petites parties d'une heure, de deux heures, on finira jamais le jeu. On doit aller sur la route de Danan. Et ben c'est parti. J'espère que celle-ci, elle sera un peu plus proche. Hein. Bon, on s'upgrade rien pour l'instant, on n'est pas trop mal. On a même réussi à tuer la Desdemona, la Gorgone, la Méduse. Ok, donc là on est sur la route de Danan. Allez, on regarde la carte. Ah bah ça va, c'est pas loin. Ah, puis c'est à ce moment-là qu'on aurait pu tuer le loup. L'or. Ouais, ça vaut vraiment le coup de décaler. Ça permet de les attaquer sur les côtés. Et j'ai l'impression qu'ils peuvent pas. Ils se protègent moins bien. Je commence un petit peu à mieux choper le truc. Là, il est en garde. Ok. Ah, mon expédition est rentrée. Ah, deux victoires. Mais c'est quoi ça, Renensu, initiation? Ah, trésor découvert. Alors, habit jumeau. Habit trouvé dans une commode sur les îles de Diomel. Certains racontent que ces habits appartenaient autrefois. Oh, hier. Yeah. Autrefois. À des jumeaux connus pour leur talent d'imitation. Nouvelle compétence apprise, élève brillant. Nouvelle zone découverte, mer des esphères. Eh ben, on va aller sur la mer des esphères. Hein? Ah, niveau d'exploration trop bas. Faut un niveau 2. Non? Non, faut un niveau 3, voilà. Eh ben, on retourne sur l'île de Diomel. Par contre, les compétences, j'ai pas bien compris. Donc là, on va tout droit et après à droite. Bon, ça va se régler en 2-3 coups de cuir à peau. Juste là. Ah bah voilà. C'est rapide là. C'est des communistes. Regardez, ils ont des communistes. Même peut-être des trotskistes. Voilà. Ah mais là vous êtes tombé sur le mauvais cheval hein. Voilà, allez vas-y Zen, bourrez-leur la gueule. Voilà, en moins.襲撃者は傲慢か。それは計画が分かっても止められないよな。医療団は？逃げ去ったようだ。奴らが欲しがっていたのはこの薬か。デュパーパン。業界の風刺。薬。それ奴らのか？ 3人みんなつけてた。何なのかな。ただのゴーマよ。慈善団体を襲うようなね。これでバーさんのお使いは全部こなした。ローグレスの酒場へ戻ろうぜ。Encore fin toi. マーボーカレーが随分気に入ったんだな。
そうなのかな。私に聞かないで。ベルベットは美味しいと思わなかった？わからないの。Elle a pas de goût, on t'a dit. Voilà. いくら食っても満腹感もない。感じるのは血の味だけ。そう言ってた。そうなんだ。Oui, tu vois, mais on te l'a répété plusieurs fois quand même. Alors, maîtrise des compétences d'équipement. Anneau du vent, dégâts du vent réduits de 4%. Ça, c'est très bien. Voilà, anneau du vent. Bonus d'amélioration, ça, je sais pas ce que ça veut dire. On l'a pas encore débloqué. Hein. Enfin, je sais pas, c'est grisé alors. Bon, en tout cas, anneau du vent, c'est bon. Anneau d'eau, on l'a pas encore fait. Est-ce qu'il est mieux celui-là? Oui. Et par contre, on tape un petit peu moins fort. Et on a un peu moins de concentration. Anneau de la terre. Anneau du néant. Anneau de résistance, là, c'est vraiment de la merde. Là, on perd tout, hein. Ouais, limite on a pas envie de le faire quoi. On a, là par contre on a une meilleure protection, tape un peu moins fort. Allez, on prend l'anneau de la terre. On prend lequel? C'est les deux mêmes. Ah, celui de machin il est beaucoup mieux, mais bon. Allez, on met de l'anneau de la terre, on n'a pas d'autre. Je vous aiderai, qu'est-ce que c'est? J'espère que c'est pas de la connerie, hein. Oh, encore une scénette inutile. La ficelle qui se demande s'il est utile. Aizen va dare de mon agre. Belbetto est tsuyoi si nan de mon taberu. Mais tu peux nous soigner, toi. Boku wa kakutou jutsu wa tokui janai si. Itsumo genki ga nai tte iwareru si. Soko ni hikkakaru ka. Tatakai touyou no wa kougeki dake tsuyokute mo imi ga nai. Koushu no balance ga daiji nan da. お前の回復術があるおかげで俺たちは迷わず戦えている。そうね、何もしなかったマギルーに比べたらあんたは十分戦力になってるわ。何もしなかったマギルーと比べて違う。今のはいかにマギルーが役に立たなかったかを言おうとしただけで、うん、いきなり一人前になれると思うな。心が解放されて間もないお前がここまで戦い続けられているのは十分にすごいことだ。力というのは心と体を鍛えて培うものだ。お前がその努力を怠らなければ必ず強くなれる。アイゼン、大切なのは強くなりたいという気持ちだ。Très bien。Très bien, je regarde un petit peu au bout là s'il n'y a rien. Il y a bien une petite. Voilà, oui. Bah, de toute façon, on était déjà venu. Hein. On était déjà venu, hein. Ça fait trois fois qu'on vient. Hein. C'était pas du tout comme ça. Hein. On a déjà eu le coffre. Allez hop, on retourne voir la vieille. Bon, ça c'était rapide. Pour le coup, on va le niquer par derrière lui. Le nerf de la guerre, quand même, c'est la concentration. Allez, carrément attaque mystique. Pourquoi pas? C'est énervé là, Rokuro. Ouais.
faut que j'arrête de regarder la carte, en fait, on se rend mieux compte en regardant l'écran. Aucun méfait ne sera épargné. Allez, petite sinette. Soya, Saki, Srechigata, Machino Yatranga, Oretachino Koto Hanashtetaze. Moktachino Koto. Erabisa o Yakiotoste, Kaimon Yosai o Tsubusta Gomaga, Oto Kimpen Madesematel Kara Kiotskero Tena. Hadeni Yarakasta Variniwa, Shizukana Monda. De notre audace. Shimoto Yumeni Narayo. Doshio Koroshita, Sekai no Katakitoste. So Natera Tanoshize.どうして俺たちを捕まえようとする連中が賞金をかけて指名手配書をあちこちに貼るようになるんだ。その似顔絵が書き手によって全然違ってるんだなあ、アイゼン。ああ、俺も自分の手配書を何十枚と見てきたが、化け物にされたり美少年にされたり味わい深いぞ。僕も早く指名手配されたいな。だったら頑張って世の中かき回さないとな。うん、頑張ってかき回すよ。Qu'est-ce qu'ils vont lui apprendre après à comment on brûle des bébés? Ah là là, c'est énervant. Dès que je vois une boule, je me sens obligé d'aller la prendre.Je serais tenté d'aller augmenter mon équipement, mais...à chaque fois on en trouve du meilleur. Améliorer. On voit l'expertise. Ah ouais, regardez l'expertise, elle est pas du tout. Bah là, je peux améliorer l'écharpe vu qu'elle n'est pas du tout expertisée encore. Il faut des copeaux de bronze. Oui. Parce que la défense, c'est quand même le nerf de la guerre. Hein. Pareil, là... Allez, gilet... Gilet d'ambre. De toute façon, on va se les échanger après. Allez.L'anneau de terre.Anneau de feu et les armes. On peut pas faire que allez hop, non, papier de calcique. Ah, c'est bon, on a plus rien pour améliorer.Qu'est-ce qu'on peut... On peut démanteler quoi? Bah, les crocs de bête. Une qui est merdique.Papier de base, celui-là. Là, pareil, ce truc-là, il a...Est-ce qu'on peut encore améliorer?
Non, parce qu'il veut des fragments de calcite. On peut pas. Allez, on... Le talisman. Le sac d'ambre aussi. Le pendentif de mes couilles. Ouais, on pourrait passer un temps fou à être tout le temps dans les menus, quoi. L'écharpe d'Aphrodite, on peut encore l'augmenter. Voilà. Là, on est bien. On peut encore en augmenter d'un. Qui c'est qui est le plus dans la merde au niveau... lui, il a pas beaucoup de... Abyssoyeux. Voilà. Allez, hop, c'est bon, on se casse. Attendez, et si on voulait acheter des trucs... tiens, des gelées, c'est pas mal. On peut choisir le nombre, ah, voilà. Ben, on va en prendre 10. Gueule sacrée. Médicament qui évite les combats contre les ennemis. On en a une. Bon, ben non, mais on a tout ce qu'il nous faut là. Gueule de résurrection, on va en reprendre 3. Les fioles de panacée guérit, protège temporairement un allié de toutes les altérations. Allez hop, on se casse. Ok, j'ai le titre du forgeron. C'est quoi ici? Excusez-moi, hein, je regarde vite fait. On est là pour jouer aussi. On peut pas non plus toujours... Hein, pièce de cuivre abîmée. Ah, voilà, on a bien fait de venir. Oui, je vais ouvrir. Donnez-moi un fouet, quelque chose pour donner au gamin. Une tenue SM pour le gamin. Il n'a rien donné. Ah bah bravo. Bravo. Allez hop. Ah bah elle a pas peur de se péter. Elle a pas peur de se péter la guibole. Vite calcite, très bien. On aura fait toutes les missions sans s'upgrader ni rien. Peut-être pour ça qu'on est mort une ou deux fois. Voilà, c'est ici. Allez, on a tout terminé là. Okarinasai. Taihen datta desho? Okarina. Mabou kare wa ikaga? Sore tomo tokusei peach pie no hou ga? Yakusoku yo. Hondai yo. Doushi Artorius no ibasho wa Dana Kaidou no kita ni aru Seiryou no Shinshin den, Seishu no miza. Shibaraku koko ni komoru yotei yo. 引っ越しでもしてるのか？ある意味そうね。聖主カノヌシの先座儀式を行っているとか。聖主カノヌシ。聖霊が掲げる新しい神様ね。厳粛な儀式だから付き添うのはメルキオルたち数人の高位隊ましだけらしいわ。好都合だ。あいつもいるかも。 十分よ。それなら襲う隙が必ずある。ただし、御座の手前には厳重な検問が敷かれているわ。なんとか破ってみせる。無理ね。人はごまかせても、御座の周囲に張り巡らされた結界はあざむ。あ、僕はちょっとなぜでかんぽうやれ。部外者の侵入を拒む術の壁が作られているのよ。けど、 奴らが通るための鍵があるはずよね。ええ。今仲間が鍵について調べているわ。ただし、それは別会計。そうなるわね。お題はこれ。Encore une mission, mais c'est pas possible. Cette vieille.
assassiner le grand prêtre Gédéon de la cathédrale de Midgard. Ah oui, là, on est passé à un stade supérieur. Ah voilà, on est tous d'accord. Non.大司祭が3つの課題の関連に気づいたのね。それが本当の試験じゃなかった。合格。 いくらすご腕でも剣を振り回すだけの人は信用できないもの。勘違いしないで。私はアルトリウスにたどり着くためなら何だってする。鞘なんてとっくに捨てたのよ。さあ、あなたは剣そのものなのね。改めて名乗りましょう。 私は Tabasa Baskerville. Tabasa Baskerville. Ah, c'est la femme du mec est mort. Daishisaiの情報を教えて。Daishisaiは毎晩ログレス王女の離宮で最悪払いの祈りを捧げているそうよ。しきたり通りなら礼拝は単身で行うはず。狙うならこの時でしょう。 離宮に入る手段は。この記章を持っておゆきなさい。警視庁の仲間が手を貸してくれるわ。わかった。鍵の情報は頼んだわよ。ベルベット、どうかした？ なんでもないわ。でも、なんか。城に忍び込んで襲うなら、徹夜仕事になりそうだな。今のうちに準備を整えて、酒場で一休みさせてもらおう。そうね。D'accord. Un signe obtenu. OK. Très bien. Très bien. On repasse en mode parlotte. Bon bah voilà, hein. C'était quoi? C'était la partie 5 ou 6, hein, je crois. Une partie où on a fait les missions de la vieille, mais malheureusement la vieille nous demande encore une petite mission. Rien du tout, hein. On doit aller juste assassiner un prêtre. Pourquoi pas? Allez, on se retrouve très bientôt pour la suite de l'aventure. Je ne sais pas quand. Bientôt. Très très prochainement, je pense. Donc, prenez soin de vous, hein, comme d'habitude, en ces périodes troublées. Et n'hésitez pas à me suivre si ça vous intéresse sur Instagram, YouTube et bien sûr Twitch. Tout est au même nom, Bosseron14, attaché. Voilà, je vous embrasse fort. À bientôt.